Hello everyone and welcome back to the Perfect French with Dylan. Today I have 40 questions for you, 40 questions of grammar to be exact, just to see if you follow well the grammar course. For those who don't know, there's a free grammar course on this channel. The videos are free to watch, so if you haven't watched them yet, just go and start it now. Come back for this test later. So, 40 questions, 10 seconds for each question. Also, let's talk about what changed. I did buy a new sweater. Yes, it's a joke for those who never watched my channel before. I just cut 40 centimeters of my hair. And after chat, bonne chance, good luck. Question numéro 1. A. Je vais prendre un morceau de gâteau. B. Je vais prendre une morceau de gâteau. The answer is A. Je vais prendre un morceau de gâteau. Question numéro 2. A. France partage sa frontière avec Belgique et Luxembourg. B. La France partage sa frontière avec la Belgique et le Luxembourg. The answer is B. La France partage sa frontière avec la Belgique et le Luxembourg. Question numéro 3. A. Il vient du Maroc. Il est Maroc. B. Il vient du Maroc. Il est Marocain. The answer is B. Il vient du Maroc, il est marocain. Question numéro 4. A. Les journaux sont livrés tous les matins. B. Les journaux sont livrés tous les matins. The answer is A. Les journaux sont livrés tous les matins. Question numéro 5. A. Ils ne se parlent plus. B. Elles ne se parlent plus. The answer is A. Ils ne se parlent plus. Question numéro 6. A. J'ai beaucoup de la chance. B. J'ai beaucoup de chance. The answer is B. J'ai beaucoup de chance. Question numéro 7. Il est charpentier. B. Il est un charpentier. The answer is A. Il est charpentier. Question numéro 8. A. Elle a choisi de réserver ce hôtel. B. Elle a choisi de réserver cet hôtel. The answer is B. Elle a choisi de réserver cet hôtel. Question numéro 9. A. Son idée n'est pas mauvaise. B. Sa idée n'est pas mauvaise.
The answer is A. Son idée n'est pas mauvaise. Question numéro 10. A. 121. B. 121. The answer is B. 121. Question numéro 11. A. On n'a pas mangé ce matin. B. On n'a mangé pas ce matin. The answer is A. On n'a pas mangé ce matin. Question numéro 12. A. Il y a des serviettes dans la salle de bain. B. Il y a des serviettes dans la salle de bain. The answer is B. Il y a des serviettes dans la salle de bain. Question numéro 13. A. On a rendez-vous au hôtel près de la gare. B. On a rendez-vous à l'hôtel près de la gare. The answer is B. On a rendez-vous à l'hôtel près de la gare. Question numéro 14. A. Le professeur encourage les élèves à apprendre le français. B. Le professeur encourage les élèves d'apprendre le français. The answer is A. Le professeur encourage les élèves à apprendre le français. Question numéro 15. A. J'ai fini d'étudier pour aujourd'hui. B. J'ai fini à étudier pour aujourd'hui. The answer is A. J'ai fini d'étudier pour aujourd'hui. Question numéro 16. A. Les employés sont impatients d'avoir en week-end. B. Les employés sont impatients d'être en week-end. The answer is B. Les employés sont impatients d'être en week-end. Question numéro 17. A. En général, on part en vacances dans avril. B. En général, on part en vacances en avril. The answer is B. En général, on part en vacances en avril. Question numéro 18. A. Il était loin de la vérité. B. Il était loin de vérité. The answer is A. Il était loin de la vérité. Question numéro 19. A. On a conduit jusqu'au centre-ville. B. On a conduit jusqu'en centre-ville. The answer is A.
On a conduit jusqu'au centre-ville. Question numéro 20. A. Tu veux quoi? B. Tu veux que? The answer is A. Tu veux quoi? Question numéro 21. A. Qu'est-ce que ne va pas? B. Qu'est-ce qui ne va pas? The answer is B. Qu'est-ce qui ne va pas? Question numéro 22. A. Les effets spéciaux. B. Les effets spéciaux. The answer is A. Les effets spéciaux. Question numéro 23. A. C'est un bel appartement. B. C'est un beau appartement. The answer is A. C'est un bel appartement. Question numéro 24. A. J'ai gardé des souvenirs bons de ce week-end. B. J'ai gardé deux bons souvenirs de ce week-end. The answer is B. J'ai gardé deux bons souvenirs de ce week-end. Question numéro 25. A. Je viens de les appeler. B. Je les viens d'appeler. The answer is A. Je viens de les appeler. Question numéro 26. A. Je pense à eux. B. Je leur pense. The answer is A. Je pense à eux. Question numéro 27. A. Il en réfléchit. B. Il y réfléchit. The answer is B. Il y réfléchit. Question numéro 28. A. Il y en aura assez. B. Il en y aura assez. The answer is A. Il y en aura assez. Question numéro 29. A. Ne m'appelle pas après 6 heures. B. Appelle-moi pas après 6 heures. The answer is A. Ne m'appelle pas après 6 heures. Question numéro 30. A. Ce sont tiens. B. Ce sont les tiens. The answer is B. Ce sont les tiens. Question numéro 31. A. Ce me convient. B.
ça me convient. The answer is B. Ça me convient. Question numéro 32. A. La femme qui j'ai vue était grande. B. La femme que j'ai vue était grande. The answer is B. La femme que j'ai vue était grande. Question numéro 33. A. La maison dont je rêve est trop chère. B. La maison que je rêve est trop chère. The answer is A. La maison dont je rêve est trop chère. Question numéro 34. A. Il n'a jamais reçu d'avertissement. B. Il n'a reçu jamais d'avertissement. The answer is A. Il n'a jamais reçu d'avertissement. Question numéro 35. A. Est-ce que tu es déjà là? B. Est-ce que tu es encore là? The answer is B. Est-ce que tu es encore là? Question numéro 36. A. Tu n'as jamais goûté ce plat? B. Tu n'as déjà goûté ce plat? The answer is A. Tu n'as jamais goûté ce plat. Question numéro 37. A. Tu lui les as donnés? B. Tu les lui as donnés. The answer is B. Tu les lui as donnés. Question numéro 38. A. Elle les a commandés et ES. B. Elle les a commandés et. The answer is A. Elle les a commandés et ES. Question numéro 39. A. C'est pour toi. B. C'est pour tu. The answer is A. C'est pour toi. Question numéro 40. A. Il a envie d'un peu de fromage. B. Il a envie d'un peu du fromage. The answer is A. Il a envie d'un peu de fromage. That's it for the test. You just made it through 40 questions. Please let me know in the comment section how well you did. If you have a question, I will be more than happy to help you as usual. And I will see you on Friday for a short lesson. À vendredi.